Et salut à tous, c'est MultiGames50, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, c'est le jour d'élimination en Coupe de France. On adore, c'est génial, j'adore. On va faire éliminer en Coupe de France. Alors, on va arriver, on va se réunir, ça va être magnifique, j'adore ma vie. Et surtout qu'on peut pas prendre Fernandez et Sarr parce qu'ils sont crevés, les pauvres. Ah, on va prendre Da Silva, tiens, peut-être qu'il est pas mauvais, lui. Et puis Hein. Enfin, je sais même plus qui prend. On va faire jouer les jeunes, tiens, on va faire jouer un peu les jeunes, là. On verra bien ce qu'ils valent. Ils valent peut-être quelque chose de bien, je sais pas. Je sais pas, on verra. T'es dans le désespoir, on peut tenter quelque chose, hein. Je sais pas, on verra. C'est chiant, allez, on y va là, moi je veux jouer là, je veux perdre mon match contre Paris là, allez. C'est génial de perdre le match contre Paris, on aime perdre des matchs contre Paris. Bon, déjà qu'ils ont fait match nul contre Nantes. Bon, j'ai pu un peu les rattraper avec mon but à la dernière seconde là, mais... Alors les mecs, bougez-vous. En plus, on joue à Paris, vous les avez déjà battus à Paris. C'est faisable, alors bougez-vous. Vous avez battu à Paris, vous les avez battus à Metz, 2-1 à chaque fois, je crois. Donc là, on y va. On les bat encore une fois, là. Ce serait beau, les battre encore une fois. Oh là 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 là, mon petit Gauthier, c'est dommage, ça. C'est dommage. Allez, on y va. Et ben voilà. C'est ça qu'il faut faire dans vos matchs. Bon là, ça passe pas. C'est dommage. Mais au moins, on a eu quelque chose là. Enfin. Ouf. On continue. Allez, on y va. Allez, on y va, les enfants. On y va. On va chercher le ballon. On le perd pas parce que ça commence à me saouler. J'ai dit qu'on le perdait pas, heureusement. Hein, parce que vous avez pas du tout perdu là. Hein. Oh le but. Il était pas hors jeu. 1-0. Oh bah voilà. Et bien, pourquoi contre Paris vous jouez super bien et contre les autres vous jouez comme des merdes? Faudra m'expliquer à un moment. Ils ont pas vu le jour Paris pour l'instant. Bon, ils vont voir le jour dans pas longtemps. Ça je m'inquiète pas pour ça. Ça va venir. Et j'ai déjà très peur de ce moment. Ouh là là, c'est bon, il l'a, j'ai le temps d'enlever ça, le temps qu'on... comme ça on gagne un peu de temps. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai! Arrêtez de louper vos passes! Je vais m'énerver un moment, encore plus que ça! Je vais déglinguer ma manette un moment aussi, à force de m'énerver. Bon, on a de la chance qu'il touche le poteau. Arrêtez de louper vos passes, je vous en supplie, parce que c'est vraiment chiant. Non, tu passes, allez, garde-la, là. C'est bien, Fofana, là. Tu t'es bien battu, il n'y a personne pour récupérer le centre. Ils sont où, les joueurs, là? Vous êtes passé où, là? Fofana, il a besoin d'aide, là, dans la surface, pour récupérer son centre. Il se bat pour rien, là. Le mec se bat pour récupérer la balle, il n'y a personne dans la surface. C'est pas normal, ça, non plus, là. Bon, il y a corner, là. Là, il y a largement corner. Mais merde, aidez-le un peu, là. Allez dans la surface, récupérer son centre, au bout d'un moment. Il n'y avait que Diallo, il était hyper loin du but, le pauvre, il pouvait rien faire, hein, mais, même une tête surpuissante l'aurait pas permis d'arriver vers le but. Et même s'il arrivait vers le but, ça serait fait arrêter, hein, sa tête, hein, faut pas rêver. Hein. Il n'y avait aucune chance de marquer sur l'action. Au moins sur les corners, il y a du monde dans la surface. Il y a trop de Parisiens, mais il y a trop de joueurs adverses, c'est ça le problème. Allez, on y va, là, fais la passe sur Fofana. Pourquoi Baliou? Répondez à la question, pourquoi Baliou? J'allais dire, pourquoi Baliou n'a pas avancé? Parce que moi, du coup, ils ont fait la passe à l'autre, donc je me suis dit, ben, je vais refaire la passe à Baliou pour qu'il centre. Mais pourquoi Baliou?
Voilà, pourquoi Baliou? Alors pourquoi Baliou? Répondez à la question pourquoi Baliou. Je vous laisse répondre, vous avez 4 heures. Bon, 2-0. Je joue comme une merde, mais au moins je gagne. Pas cherche à comprendre, contre Paris je gagne à chaque fois, je sais pas. Et mes joueurs jouent super bien contre Paris. Bon là, normalement, on marque plus, on s'en prend un, c'est fini. Heureusement que j'ai Hein hein, quand même. Hein. Je le fais pas beaucoup jouer, mais au moins lui il est bon. Au moins lui il est présent dans le match. Pas comme certains autres dans les autres matchs qui foutent rien. Je pense que l'équipe là, je vais la laisser pour le prochain match. Ils sont vraiment pas mauvais. Paris, ils ont pas trop vu le jour. On a bien défendu sur leurs seules actions. À part le poteau qu'ils ont touché, ils n'ont rien eu d'autre. Oh là là, dommage! Dommage qu'ils la touchent pas celle-là. C'est pas grave, allez, on continue. Allez. Allez, c'est parti. Allez, on y va, s'il vous plaît, on y va, s'il vous plaît, on y va, s'il vous plaît, on y va. Non ! En plus, maintenant, il y a beaucoup trop de son dans chez moi, c'est génial. Petite ellipse. On est enfin reparti. Bon, pour vous, ça a été très court, mais pour moi, c'était très long, cette ellipse. Très très long. Donc, on a toujours 2-0 contre le PSG, hein, que j'essaie de me souvenir. Attention, non, vas-y, fais la passe. J'ai eu tout d'un qui m'arrivait dessus d'un seul coup, du coup, c'était long l'ellipse pour moi là. Faut que ça se calme un petit peu, pour que je me reconcentre sur le match. Mais connard, fais pas la passe à lui là, vous gâchez tout les mecs. Allez, on est parti. Je pense qu'il y a encore une autre petite ellipse dans cette vidéo. On verra. Parce que là, je suis un petit peu fatigué. Je suis en train de me choper un mal aux oreilles là. Ça va devenir une petite otite. Ça va être génial. Le nombre d'ellipses qu'il va y avoir dans cette vidéo risque d'être énorme. Parce que là, ça fait mal et je loupe tous mes tirs. Je pense que j'en ferai une autre petite à la fin du match, ou alors je vous laisserai les ralentis temps de faire le truc que j'ai à faire. Je verrai bien au moment venu. Je verrai bien le moment venu, c'est mieux. Un peu là, un peu là, oui, fait de la passa, Coco Diallo. Oh là là, Diallo, dommage, c'est ta corner ou pas? Non, ça aurait dû être un corner. Je suis désolé, ça aurait dû être un corner. A chaque fois que je joue Paris, je suis vraiment pas mauvais quand même. Là, je crois que c'est le meilleur des matchs que j'ai fait contre Paris en plus. Parce que franchement, j'ai pas trop peur. Je pense que je m'en prendrai quand même un moment, en espérant pas m'en prendre deux, voire trois. Et j'espère en marquer encore au moins un. Comme ça peut faire un petit 3-0, ça pourrait être cool. Ou un 3-1. Ah, il était hors-jeu, mais il était hors-jeu, c'est pas grave. C'est pas grave, Habib, c'est pas grave. Là, pour l'instant, pour une fois, vous faites un bon match. J'espère que ça va vous réveiller pour les autres matchs, parce que vous avez encore sombré dans une petite période de mauvais matchs pendant deux vidéos, là, je crois. Ça fera 4 matchs, donc à peu près 2 vidéos. C'était une très mauvaise période de mauvais matchs. Donc là, ça peut être l'occasion de vous réveiller. Donc réveillez-vous! Ouh là là. Ouh là là, ça passe et ça rentre pas. Leur première action, ça rentre pas. Leur première vraie occasion ne rentre pas. Ouh là, il y a Mbappé et Neymar sur le terrain maintenant. Il risque d'y avoir un peu plus de danger. Déjà que mes passes passent plus, ça va être chiant. Mes passes ne fonctionnent plus là, ça risque d'être très très chiant. Allez là, faut leur reprendre là les mecs. Allez, bougez-vous. Bougez-vous, allez! Vous êtes à chaque fois à deux doigts de la reprendre là, faut continuer, faut être à trois doigts, pas à deux doigts.
Non, les mecs, non, allez, on continue, là, allez, allez, allez. Ouh là 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 là. Oui, il est passé, là, il est passé, Gagpa, il est passé, Gagpa, c'est très bien, ça, Gagpa, là. Allez, peut-être une petite tête messine, non, mais c'est pas grave, ça va garder, ça va revenir dans les pieds, sur une tête messine. Ensuite dans les pieds parisiens, il faut la prendre vite, il faut la prendre vite, il faut la prendre vite, il faut la prendre vite là. Il a pas à passer là, c'est pas normal ça. Je suis pas d'accord moi. C'est bien, on a eu Neymar là, il est pas bien passé, il a pas bien non plus centré. Ça va, la frappe était nulle. Facile à prendre pour Rukija, il en a eu des plus compliqués à prendre. Non, c'est pas lui qu'il faut la faire là. Réveillez-vous les mecs, vous êtes en train de vous faire endormir là. J'accepte pas ça, que vous loupiez des passes comme ça là. C'est important de pas louper ses passes contre Paris, merde. C'est pas grave quoi, c'est pas grave, je t'en veux pas. T'es intelligent, t'es gentil, tout va bien, je t'en veux pas. Oh là 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 là, elle est à nous. Elle est à nous, ça va. Non, franchement, ils marqueront. Je sais pas s'ils marqueront. Ça risque d'être compliqué pour eux de marquer. Parce que je risque encore d'avoir quelques actions, surtout dans la fin de match quand ils seront un peu plus fatigués. C'est au mauvais joueur là que tu l'as faite. Ton centre était pourri. C'est pas grave, allez, on se réveille. Allez, 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 on se réveille, 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 on se réveille. Allez, 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 allez. Ah, dommage là. Allez, peut-être la récupérer un peu de vers l'avant là. Peut-être le faire, oui, non, non, c'est pas faisable, non, apparemment, non. C'est pas grave, le temps avance, on est toujours à 2-0. Je pense, je sais pas si on marquera le troisième, ça risque d'être compliqué, ils reprennent vite la balle dans leur défense. Je pense pas qu'ils marqueront, eux, un but. Ça joue beaucoup au milieu de terrain, là, depuis quelques minutes, maintenant. Au milieu de terrain, et j'ai beaucoup la balle, donc ça joue aussi à peu près de leur surface. Allez, un petit corner. Peut-être pour le troisième but, ça peut être cool. Un petit 3-0 contre le PSG, ça serait la première fois qu'on fait ça. Normalement, c'est toujours 2-0 ou 2-1. Normalement, 2-1, quoi. Donc ouais, ça serait la première fois qu'on leur prend un petit 3-0, là. Ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien au moral. Dommage. Allez, c'est pas grave. 88ème, là, c'est bon, c'est gagné. On est qualifié 2-0, normalement. C'est bien, on a gagné du temps, là, sur les dernières minutes. Pour une fois, on a été bon. Pour une fois, on a vraiment été bon, présent. On s'est fait peur quelques fois, on a mal dégagé pendant une petite période là, Neymar est rentré. Neymar et Mbappé étaient là tous les deux, c'est un peu plus compliqué, mais et sinon c'était vraiment bien. Je suis vraiment content de mes joueurs, je suis vraiment fier d'eux, ils ont bien joué. Ils se sont bien battus. Et voilà, victoire 2-0, on élimine Paris. Bon, je vous laisse les petits ralentis le temps de faire mon petit truc, hein, comme ça vous êtes heureux, vous avez ralenti. Ah mince, j'ai pas mis les ralentis, excusez-moi. Je vous mets les moments en fin de match, voilà, les petits ralentis, puis on se revoit tout de suite, à tout de suite. Bon, les deux petits buts là de Hein. Très beau but d'ailleurs de la part de Hein, hein. C'était vraiment bien joué de sa part. Bon, je ne sais pas où on en est là, on est au premier but de Hein ou au deuxième? Non, là l'arrêt de Kija a déjà dû passer. Ah, il était quand même beau celui-là, heureusement qu'il était là, hein, parce que sinon on se le prenait le but. Hein. Et puis il n'y a plus grand chose en fait, hein. Il y a des arrêts du gardien de Paris, un petit manqué du Messin là, il était quand même beau ce tir, hein. Même s'il est manqué, il était beau, j'ai bien aimé. Da Silva, plutôt pas mauvais, il a fait un bon match Da Silva je trouve, j'ai bien aimé. On verra par la suite, mais c'est peut-être prometteur. Et donc, du coup, qui est passé? Monaco qui a perdu, Nîmes qui est passé, Metz qui a battu Paris, du coup. Et Marseille 3-1 gagnant.
Allez, on est parti. Bon, on a 4 points. On a 4 points de pari. C'est ce que je disais, on est à 4 points de pari avec notre victoire 1-0, on est à 4 points. C'est déjà bien. Ah ben, on va changer l'équipe, écoutez. On va vraiment changer l'équipe parce qu'ils ont été plutôt bons dans le dernier match, certains joueurs. Mais fait plutôt bonne impression. Notamment le petit... Alors là, je vais mettre Nian. Et là, je peux mettre qui? Peut-être Simon, tiens. Simon, il a jamais joué. On va mettre Simon un petit peu. Peut-être qu'il sera bon. Voilà. On va changer un peu. Faut changer. Faut faire tourner. Le temps que ça charge, je réponds à mon message. Encore une fois, je suis désolé. J'ai beaucoup trop de trucs à faire dans ce match. C'est incroyable. Cette vidéo, plutôt. Excusez-moi, hein, je prends mon temps, hein, mais voilà, si vous voulez passer un peu la vidéo, vous pouvez. Hein. Allez, on est reparti. Excusez-moi, je reçois plein de trucs là. J'ai beaucoup trop de trucs à régler là, c'est pour ça que j'ai fait une énorme ellipse. Alors on est parti au CRMS. À la fois c'était plutôt positif pour Metz au niveau du score, je crois que c'était le 3-2 là, mais un peu mal géré au niveau du match, mais on avait quand même gagné 3-2, donc voilà, au final ça avait pas trop impacté le résultat, parce qu'on avait eu la chance que leur gardien aussi se foire après les deux fails de mon gardien, de mes gardiens et de ma défense, parce que c'est le match où j'avais fait entrer Delecroix après Oukidja et qui s'était planté tous les deux, ou Oukidja après Delecroix, je sais plus, mais les deux s'étaient totalement foirés. Ah punaise. Du coup ouais, leur gardien, leur défense était aussi foiré un coup et j'avais pu marquer le 3-2, ce qui était assez quand même logique. Parce qu'ils avaient pas beau, ils avaient rien montré dans le match. Alors si je perdais là, même si je faisais match nul, c'était pas logique. Bon, faut continuer ce que vous avez fait, franchement, c'était plutôt bien contre Paris. Donc continuez ce que vous avez fait contre Paris. Avec bah là, le mieux défensivement il devrait arriver parce qu'en face c'était Paris. Défensivement, c'est toujours dur contre Paris. Hein. Donc là c'est Auxerre, ça devrait aller un peu plus. Ça devrait être un peu plus facile défensivement. Faut juste continuer ce que vous avez fait. Je pense que ça devrait le faire. Mais si vous continuez pas et que vous galérez à nouveau, ben ça le fera pas. C'est tout. Hein. Y a rien à dire de plus. Ça le fera pas si vous galérez à nouveau. Hein. C'est voilà. Oh non, ah, je croyais qu'elle n'allait pas arriver au joueur messin la balle. Ah dommage, il l'a bien dégagé. J'avoue, c'était beau. C'était bien dégagé. Oula, c'est quoi cette passe de merde là? Faut travailler les passes à l'entraînement, s'il vous plaît, les mecs. Hein. Faut vraiment travailler ça à l'entraînement parce que là on galère les passes en ce moment. Hein. Je vous fais pas trop travailler ça à l'entraînement parce que voilà, j'ai la flemme de vous entraîner, ça me fait perdre du temps, mais voilà. Vous travaillez ça. Allez, une petite touche là. On a eu du mal, mais au moins on récupère la touche, c'est toujours ça de gagner. Ah dommage là. What? Mais il était pas hors jeu mon joueur. Mais il était pas hors jeu. Où il a vu un hors-jeu lui? Genre il était pas hors-jeu du tout. Ça, en plus c'est même pas le joueur qui a centré, c'est non. Je sais pas où il a vu quelque chose de mal là, mais... Il a bien anti mon action ce débile. Vraiment un connard le mec. Je vais le tuer. C'est forcément hors-jeu parce que sinon si ça avait été un coup, une faute, il aurait laissé l'avantage. Là j'aurais pu me prendre un rouge par contre avec ce taxi, je l'avais réussi. Non, j'ai bien fait de le louper. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, on met la balle en touche. Oh là là, c'est chiant de recevoir 4 milliards de trucs à faire là en même temps. Du coup, je suis plus concentré sur la vidéo et j'ai failli me prendre un but là parce que j'étais en train de répondre à un message en même temps. Et j'ai plus mon chrono en plus pour la vidéo là, donc c'est très très chiant. Allez, on y va. Il est pas hors jeu, il smile, il est pas hors jeu. Il centre. La tête peut-être, non, c'est dommage. Allez, on repart, on repart, on repart. C'est bien de refaire un peu la tête en arrière, comme je te l'ai dit. Une fois, c'est bien de repartir vers l'arrière là. Allez, là. Libérez-vous, faites de la place. Oh punaise, j'en étais sûr. On était 1000 fois sûr que ça allait se passer comme ça. Ouh là 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 là. Voilà, ça c'est le symbole d'action que nous on doit avoir. Sauf que nous on doit les réussir. Eux ils peuvent les louper, je m'en fous, mais nous on doit les réussir les actions.
Nous, on n'a même pas ça. Nous, on a des actions un peu moins chaudes qu'on réussit pas, dans tous les cas. Bon, tant qu'on a des actions, c'est déjà ça. Hein. Parce qu'on a une période où on n'avait rien. Rien. Là, il y a déjà un peu de mieux. Quoi. Bon, toi, t'es hors-jeu, t'es qu'un nul. Allez. Ouf. Ah, dommage, c'est pour moi. Non, c'est pour eux, connard. Je te déteste, va te crever, voilà. Tout simplement, je te souhaite que tu meurs dans l'atroce souffrance pour leur avoir donné cette touche alors qu'elle était pour moi. Allez les mecs, là, faut se réveiller. Depuis quelques minutes, vous avez plus grand chose. Là, c'est eux qui ont tout, là. C'est pas normal. Allez, on se réveille. Ah, mais c'est pas possible! Mais réveillez-vous au bout d'un moment, là. Allez, non, but. Bah voilà. Je vais rien dire, but, démerdez-vous. Moi, je me donne à fond pour que vous réussissiez. Démerdez-vous. Vous voulez pas, bah démerdez-vous. Voilà. Redescendez en Ligue 1, en Ligue 2. Vous serez bien en Ligue 2, c'est votre place. Démerdez-vous. Moi, j'en ai marre de me battre pour une équipe qui veut pas se bouger. C'est bon, au bout d'un moment. Vous voulez pas vous bouger, bah démerdez-vous. Normalement c'est bon quoi. Je me donne un fond, vous loupez 4 occasions, ils ont un tir cadré, ils marquent. Faut se réveiller au bout d'un moment, merde. Plus un joueur inconnu qui marque. Contre Paris, vous étiez bon. Pourquoi vous faites pas le même match que contre Paris? Pas possible, ça Auxerre, c'est pas meilleur que Paris, merde. Faut arrêter au bout d'un moment là, faut se réveiller les mecs, hein. Commencez à me saouler, hein. On avait une fois, on pouvait rester à 4 points de Paris, là on va de nouveau être à 7 points de Paris. Allez, 2-0, allez, là c'est la fiesta, là on s'éclate, là, hein, c'est bon, on s'amuse, allez. Ah mais vous me saoulez les mecs, là. Vous étiez parfait contre Paris, ça y est, là vous êtes plus bon, vous êtes des merdes maintenant. C'est plus possible ça, merde. Voilà, c'est bon, c'est foutu, on les laisse en marquer 4-5, hein. Vous bougez pas. C'est incroyable ça, merde. Laisse-la sortir en corner, tu sais quoi. Vous me saoulez les mecs, vous êtes des merdes. J'en ai marre. Bougez-vous un peu, là. Bougez-vous. C'est pas compliqué d'aller marquer un but. Vous en avez marqué deux contre Paris. À Paris. Alors là, faut en marquer un, merde. Au moins un. Voilà. C'est compliqué de faire ça. C'est compliqué. Encore, celui-là, on a eu du bol de le marquer. On l'a récupéré et de le marquer. Maintenant, vous gagnez. Oh, c'est incroyable, ça. Bougez-vous. S'il marque le 3-1, je vous massacre. S'il marque le 3-1, je les laisse en marquer 5 de plus. Je les marque contre mon camp, s'il faut. S'il marque le 3-1, c'est que vous ne donnez pas à fond et que vous méritez même pas d'en marquer un de plus. Vous méritez de perdre 8-1. Que franchement, merde, vous êtes des machines contre Paris, mais là vous êtes des bisounours. Ça bouge plus, ça va tout seul. Tant pis si on perd, on fera des câlins tout le monde. Merde, un bout d'un moment. Faut arrêter là un peu, hein. Faut se réveiller. Hein. Je sais pas pourquoi contre Paris vous êtes parfait, et contre les autres équipes c'est mort. C'est fini. Vous êtes plus rien. Faut redescendre en Ligue 2, hein. Ça vous sert à rien. Allez! Cette putain de balle là. Putain, on s'en prend deux coups sur coup quoi, c'est incroyable cette équipe. Vraiment capable du meilleur comme du pire, mais alors plus souvent du pire. Se prendre deux buts coup sur coup contre Auxerre, faut le faire. Hein. C'est pas donné à tout le monde, hein. Surtout quand t'es deuxième du classement. Hein. Quand t'es deuxième du classement, tu te prends deux buts coup sur coup contre Auxerre, faut réfléchir. Surtout quand quelques jours avant t'as gagné contre le PSG. Même si t'es en coupe. T'as gagné contre le PSG quand même.
Bon, ce but, c'est n'importe quoi, mais il est rentré. Ça fait 2-2, on est heureux, très bien. Maintenant, faut réfléchir à marquer le troisième, les mecs, ça sera pas mal. J'ai rien compris à ce but, honnêtement. Pour vous dire la vérité, j'ai pas compris ce but. Mais bon, il est dedans, c'est le principal. Qui sort? Eh ben, c'est Boulaya qui rentre à la place de Fernandez. Ça sera parfait. Bon, maintenant, on se bouge. Non, parce que là, vous avez vraiment été nul. Là, on en marque, faut encore en marquer deux, et ce sera parfait. J'y crois pas du tout. J'y crois, mais absolument pas. Ils marqueront le troisième avant qu'on les marque. À moins qu'on le marque maintenant. Mais il y a personne, là. Il y a personne, là, pour les aider. C'est pas possible, ça. Mais Boulaya, il vient de rentrer, il court pas. Il est lent comme tout. Le mec, il traîne un boulet, là. Il traîne un boulet au pied, le mec. Décroche ton boulet et va sur le terrain, connard. Oups, je m'énerve beaucoup trop, là. Mais bon, c'est chiant. C'est chiant, c'est très chiant. Centre, sur personne, parfait. Ton centre était juste parfait, il a atterri sur personne, c'est tout ce qu'on voulait. Allez. Ah bah leur buteur il sort. Allez, Bessara il sort, c'est bien ça. Oh punaise, mais c'est pas possible. On va faire un match nul ou alors perdre contre Auxerre. Ça faut le faire les mecs. Hein. Franchement GG. Hein. Pas beaucoup d'équipes en étant deuxième du classement en Ligue 1 qui le feraient. Hein. Surtout après avoir gagné 2-0 contre Paris. Sans avoir eu vraiment peur. En plus. Donc, franchement, vous me décevez, les mecs. Vous me décevez. Là, le, je crois que c'est le Lensois, là, Thomas ou je sais pas quoi, il jouera plus. Parce que là, on a une galère. Hein. Il a joué, on a une galère en défense. Hein. Allez, le troisième. Ah bah non, t'as fait de la merde. On t'a marqué tout à l'heure, alors je peux pas te critiquer, toi. Oh punaise, mais fais-la pas à lui, fais-la au bon joueur la passe. Mais c'est incroyable ça quand même. Faites les passes aux mauvais joueurs. On s'étonne qu'on gagne, qu'on marque pas. Faites les passes aux joueurs qui sont déjà pris, qui peuvent pas avoir le ballon. Oh punaise, c'est pas possible. Vous me saoulez les mecs, vous me saoulez, il est hors jeu, dommage, on avait une belle action, il est hors jeu. Soyez pas hors jeu. Arrêtez d'être hors jeu, c'est chiant. Allez, Gauthier qui va rentrer. Je sais plus quoi faire pour vous. On va faire match nul. Puis voilà, ce sera mérité. À moins qu'on marque encore une fois un but à la 92e, ce qui serait bizarre, mais j'aurais l'habitude hein, avec vous. Je peux rien vous demander d'exceptionnel à vous, hein, cette équipe, de toute façon. Je sais même pas pourquoi on est deuxième. Oula, ouvre là le 3-2. Ouvre là le 3-2. Ah bah oui. Oh punaise. J'ai du bol que Kidja se réveille un peu. Il y a au moins un but qui peut arrêter honnêtement. Allez, Gauthier qui a bien eu le joueur au Serrois là. Allez, fais la tête. C'est bien Gauthier, c'est bien. Tu te bats toi. Toi au moins tu te bats Gauthier. Non, mais merde les mecs, mais arrêtez. C'est pas croyable ça, merde. On aura même plus d'occasion là. C'est fini, c'est foutu. Soit on se le prend, soit on fait match nul. C'est incroyable de dire ça contre Auxerre quoi. Et ben voilà, match nul. Non mais vous m'avez déçu, vous êtes nul. Contre Paris ça fait 2-0, contre Auxerre ça fait 2-2. Au bout d'un moment, j'arrive plus à vous comprendre. C'est incroyable. Les mecs ils sont incroyables. Je sais plus quoi faire d'eux, honnêtement. Prochain match, on va déjà rigoler. Contre qui c'est? Oh, contre Lyon. Oh là là. Soit on se fait laminer, soit c'est bon. Puis ta gueule. Eh ben c'est bien, c'est du lol. Bon, en tout cas, j'espère que malgré tout, cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et surtout, abonnez-vous. Allez, salut!